C'est avec grand plaisir, donc, ce soir, que je vous vois réunis pour célébrer l'interculturalité, qui est un trait unique à la Tunisie. Donc, chez Tunisie.co, on a de tout temps œuvré donc, à faire montrer, à faire prévaloir ce caractère de la Tunisie où les cultures se rencontrent, échangent entre elles, cohabitent en harmonie sur tous les plans, notamment sur le plan gastronomique. Donc, on a eu le privilège de co-organiser plusieurs semaines gastronomiques par le passé, semaine turque, semaine mexicaine, semaine italienne, pakistanaise. Et ce soir, c'est au tour de l'Argentine que nous célébrons avec grand plaisir. D'ailleurs, je remercie Monsieur l'Ambassadeur pour sa confiance. Mes remerciements vont également à l'hôtel de Residence avec sa tête Monsieur Belzi Belhouja et toute son équipe. Je citerai Monsieur Yassine Lefri, Madame Rim Mahdi et Monsieur Enis Bechir. Donc ce soir, bien évidemment, j'ai le grand plaisir de retrouver Madame Holmes. Voilà, donc juste, si vous permettez, je vais lire sa biographie. Donc Madame Holmes Mouali, elle est danseuse et professeure de tango argentin, formée à Buenos Aires auprès de maestro traditionnel depuis 15 ans. Elle est la première Tunisienne au championnat du monde de tango argentin et elle est demi-finaliste en 2023 dans la catégorie tango de salon improvisation. Ce soir, elle est accompagnée de son élève, Stefano Maianecci. Il est italien, voilà, donc encore une fois, l'interculturalité, pour interpréter En el Salón de l'orchestre Riccardo Tanturi, tel que dansé dans les milongas de Buenos Aires. Enjoy. Merci.